Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un nouveau livre de coloriage. Tout frais, tout chaud, sorti de ma boîte aux lettres. Voilà, il vient de m'être livré là il y a un quart d'heure par Chronopost. Bien foncé dans ma boîte aux lettres comme d'hab. Mais ça va, le livre n'est pas abîmé, donc ça va. Donc là, c'est un illustrateur, enfin une illustratrice que je n'ai pas encore dans mes livres de coloriage. C'est Molly Harrison. J'ai vu quelques illustrations d'elle dans la semaine et j'ai dit tiens, je ne connais pas. Donc on va regarder ses livres. Et ben, je vais m'en choisir un pour voir ce que ça donne. Donc, j'en ai choisi un. Il y a plein de fées dedans. C'est vrai que c'est pas tellement mon univers, les fées. Mais bon. Donc, j'ai choisi celui-ci. Fairy and Fantasy, avec mon accent anglais super, comme d'habitude. Voilà. Donc là, il n'y a pas de Grayscale, sauf un, peut-être un ou deux. Voilà. Il y a dedans 25 illustrations. Il n'y a pas de double. Il n'y a que vraiment 25 illustrations. Donc là, j'aime bien. Parce que c'est vrai que quand il y a les doubles, bon, j'aime bien, mais... ça m'embête quand même parce que j'ai des pages qui ne sont pas coloriées. Ça m'embête. Voilà. Je paye pour un livre avec des pages qui ne seront pas coloriées. Donc là, c'est un livre où il y a vraiment 25 illustrations, donc 25 pages à colorier. Les dessins sont vraiment très jolis. Voilà. Pas compliqués, ce n'est pas des coloriages très compliqués à faire. Donc je vais m'essayer aux fées. Voilà, ça va être tout nouveau pour moi. Hein. J'en ai pas encore fait de, j'ai pas encore fait de fées. Voilà. je pense que ça va être des coloriages où il va falloir quand même que je fais des fonds. Donc c'est vrai que les fonds, j'en fais quelques fois, mais c'est rare. Donc là, je vais me mettre à faire des fonds également. Voilà. Mais bon. Alors, la qualité du papier, elle est bonne. On verra à l'usage. Hein. Bon, pour le feutre, je ne sais pas. Bon, j'ai une page, il y a derrière une page blanche, complètement blanche. Donc, ça va me permettre de faire des essais, peut-être avec mes feutres, avec, voilà, pour voir ce qui traverse, ce qui ne traverse pas, avant de colorier. Voilà. Mais sinon, voilà. Donc, c'est mon premier. Donc, j'espère que j'en reprendrai d'autres qui vont continuer à me plaire. Et on verra bien. Donc, je vais vous montrer ce livre en caméra par au-dessus. Ce sera plus facile. Et en musique. Comme ça, ce sera plus agréable. Et ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ce livre vous plaît, si vous l'avez déjà, voilà, ce que vous, si vous aimez Molly Harrison comme illustratrice, si vous avez déjà plus, des livres d'elle, n'hésitez pas à me dire justement ce que vous en pensez. Là, en fait, la date, c'est un livre de quand, ça, j'ai pas vu. Désolée, mon téléphone fait encore bip bip. Il n'y a pas de date. Ah, si, derrière, il y a une date 2015.
Donc, ce n'est pas un livre qui vient de sortir, hein. Mais bon, c'est pas grave, ça on s'en fiche. Donc voilà. Allez, je vais vous laisser regarder. Alors, vous voyez, normalement, aujourd'hui, vous voyez le livre à l'endroit parce que j'ai mis mon téléphone à l'envers. Voilà. Du coup, j'ai pas aucun retour de caméra, donc j'espère que ça va. Allez, je vous laisse regarder la suite pour découvrir les illustrations qu'il y a dans ce livre, qui j'espère vont vous plaire. Moi, elles me plaisent. Maintenant, à voir avec le coloriage un petit peu au fur et à mesure. Bon, je vois déjà à peu près ce que je peux faire avec. Et je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos et plein de belles choses comme d'habitude et des coloriages avec ce nouveau livre. À bientôt, bisous bisous. Bon visionnage pour la suite.